Salut tout le monde, c'est Pondo et bienvenue sur Spider-Man remasterisé sur PS5 et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. Dans la dernière fois, on a fait une tonne de trucs intéressants de Torino. Et cette fois-ci, on va continuer à faire notre con. Ouais. Comme je vous l'avais prédit, tel Nostradamus, l'arrestation de Wilson Fisk par Spider-Man au mépris des conséquences a provoqué un raz-de-marée de nouveaux gangsters, tous plus psychopathes les uns que les autres. Prochain invité a la chance d'avoir survécu à un vol à main armée. Monsieur, nous sommes ravis que vous alliez bien. Merci. C'était ouf, ces types rentrent comme si c'était chez eux en brandissant leurs flingues. Qu'un honnête homme doit vous... On aurait dit bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Oh, alright, appareil photo et kaboum. Hoya. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Prenez des photos des monuments dans toute la ville pour gagner des jetons de monuments. Yeah! Ben bon, je vais pas faire ça, c'est correct. Ah oui, c'est vrai, il faut changer un peu nos trucs. Donc, j'ai une nouvelle tenue. En fait, hey! Est-ce que c'est moi ou il y a plus de tenue? What? Oh! What? Attendez! Fantastic 4, est-ce que c'est ça? Non mais pour vrai, est-ce que c'est moi ou il y a plus de tenue que dans la version PS4? Hein? Oh! Ok, ouais, c'est tenue, ok, d'accord, c'est parfait, c'est correct, c'est tout à fait normal de les avoir, là, mais... Bon, en tout cas, c'est quoi cette tenue? C'est pas le... Attends, la tenue dans le film? Amazing Spider-Man? Hey! What's up, my dude, man? Ok, ouais. Donc, concentration de combat, je laisse, parfait. Les modes de tenue. Wow, j'en ai une tonne. Faudrait que je mette deux, quoi. Donc, c'est quoi ça? Attaquer avec un gadget génère de la concentration. Ok, je peux pas. Hein? Pourquoi on peut pas mettre ça? À moins que ça déjà... Pourquoi je peux pas les... Ah, il faut les débloquer! Je croyais que je les avais déjà débloqués parce que je voyais que ça c'était gris, mais ça c'était pas gris, alors non, il faut les débloquer. Alright. Donc, on va faire ça tout de suite. Ah, voilà. Non, non, ça c'était trop bizarre, mais voyons, non. Ok, là en gros, s'il y a une étoile, ça dit que je peux débloquer la compétence, je comprends. Donc, c'est quoi ça? Augmente la portée de votre scanner pour voir les objets et les ennemis plus éloignés. Let's go! Ok, là, dans la section gadget. Bon, je peux rien faire parce qu'il me faut des jetons de ci et de ça, malheureusement. Compétences! Yo, j'en ai 3 de disponibles, man! Alors, on va aller ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ok, quand j'appuie sur X et que je fais une esquive parfaite, c'est fini! Le bonhomme est entoilé. Ici, c'est quoi? Maintenez carré dans les airs pour envoyer un puissant coup de pied latéral à vos ennemis. Ça, je le veux. Je l'utilise souvent dans ce jeu vidéo. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ça? Réalisez un deuxième saut d'araignée sans perdre d'altitude. Oh, je l'utilise souvent, ça, d'habitude. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent plus de concentration. Oh, moi, j'attends notre battant là, alors why not? Et ouais, en gros, c'est ça. On a bien fait nos affaires, oui. Yo! Je suis Spider-Boy du film! Non mais c'est nice, je savais pas qu'il y avait ces costumes! C'est Monsieur Lee? Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Martin, papa! Okay. J'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Ah, oh, explorer la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Yeah, c'est correct, mais moi je vais aller débloquer la map, si je peux dire ça comme ça. Nouvelle mission annexe débloquée. Ok, d'accord. Yo, je me demande s'il y a des nouvelles missions secondaires ou des trucs comme ça. Parce que j'ai débloqué des costumes que je n'avais pas sur la version PS4. Alors peut-être que... What the... Ne me dis pas que tu faisais quelque chose... Ouais, peut-être qu'il y a des nouvelles missions, on sait jamais, hein? Je sais pas, honnêtement. Alright. Yo, il y a un monument juste à côté, pourquoi pas. Attends. Faire ça comme ça? Hey! Avant, il n'y avait pas cette lueur, hein? À moins qu'il...
entendre parler. Non, je sais pas, prends internet avec vous. Sur place, on nous signale un cambriolage. Agents dans la zone de Murray Hill, attendez nos instructions. Ok, on y va. Donc, le truc, c'est que... me semble que les monuments ne brillaient pas de cette façon. Pour les fractions, c'est déjà trop tard. Mais je peux encore empêcher le vol. Alright, yo. Souris. Alright, on y va. Donc, c'est quoi les objectifs bonus? Attaquer trois ennemis par derrière. Ah, oh, attends, entendez les ennemis à un mur. Yo, il y a quelqu'un de son continue. Ami. Vous avez vu ça? Salut, Peter. Tout est prêt pour la fête. On attend victoire. Ah non, je me mets en route. Ah, comme ça. Je fais ça à longueur de journée, brothers. Non, ma doule. Attends. Brother, lève-toi. Wop. Ok, bon, entoilé des bonhommes à un mur. Ça va être facile, amigo. Comme ça. Oh, ma doule. Ce n'est pas terminé. Et toi? Vous voyez le bon côté? Si je vous avais laissé entrer, votre peine serait beaucoup plus longue. Yeah! T'as dit, Bouffi! T'as empêché un criminel d'être un plus gros criminel! Bah, ok, d'accord. On doit y aller, les potos, on n'a pas le temps de niaiser. Je suis The Amazing Spider-Man! En français, c'est quoi? L'incroyable Spider-Man? Le super Spider-Man? J'ai aucune idée là. Et puis, yo, hein, attends. Allez, on voit tout ce que t'as! Oh, ok. Yo, y a-t-il? Oh, y a pas de voyage rapide, hein? Ben, des déplacements rapides à faire. Allez, on y va, man. Pas le temps de niaiser avec ces petits malfrats. On va laisser Miles Morales faire le travail. Même s'il n'est pas encore Spider-Boy. Bon. J'espère que j'ai pas fait de spoil. Bon. Wop, babe! Oui! Wow! Hiya! Bon, ben, la ville devra faire beaucoup de ménage à cause de toutes les toiles que bon, j'ai laissées ici. Où là. J'ai mis mon sac? Que personne n'a vu, bien sûr, comme par magie. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Yo, what up, boys? Tranquilo, relaxo, les amis. Salut, je sais Pete. Pas. Content de te voir. Salut, pareillement. Yeah! Mais je sais vraiment pas si je voudrais dormir ici. Si quelqu'un pète, tout le monde va sentir ça, hein? Ah, Peter, comment ça va? Non, je fais que passer. Eh, je suis pas au boulot! En plus, c'est du bénévolat, alors. Hé, hey, papa! Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour. J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter. Tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années... Tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. L'autre bonhomme, il s'en fout. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May m'a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file.
Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Alright, taunt me, message bonne fête. Vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Bah ouais, écouter ça ici, c'est pas une bonne chose, voyons donc. Faut que je quitte cet endroit avant que mes enfants l'apprennent. Hey Gloria! What up? Peter, c'est ça? Ta tante nous a montré des photos de toi, bébé. Moi, c'est Gloria. Je suis nouvelle ici. C'est Spider-Man qui m'a conseillé cet endroit. Ah, c'est vrai. Enfin, cool. Vous vous plaisez ici? Les gens sont sympas. Je vais peut-être rester. Au moins, un peu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire signe si je peux vous aider. Yeah! Ben, pas pour l'instant, hein, quand je suis Spider-Boy, bien sûr. Moi, je suis toujours là pour sauver les citoyens de New York City. The Amazing Spider-Man! Je suis comme dans un film! Dans un jeu! Je suis dans un jeu filmé. Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Ah, il cache sûrement la PS6 et la Xbox... Canalisé X. Ouais, je sais pas comment Microsoft va appeler leur prochaine console. C'est comme, avec PlayStation, on sait déjà qu'est-ce qui se passe. PS6, PS7, PS8, PS9. C'est Microsoft avec la Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360 et... I don't know, brothers, man! Ouais, le Kingpin, hein, lui, il vous a fait rien. Je t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, tonte mais. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime, tante, mais t'es la meilleure, man! Moi, ma tante, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me frappait. Mais non, c'est pas vrai. Vous connaissez le stéréotype des familles chinoises, hein? Si tu as un moins à l'école, eh bien, on te tape dans la face. Tu dois avoir un A+, quoi qu'il arrive, bro! C'est à 99%. Dans ton examen de maths? Discrètement. Mieux vaut passer par derrière. T'es dans le caca de cheval, mon frère. Surtout en mathématiques. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Et c'est pas du tout mon fort. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Une chose, c'est pas Polo qui se retrouve ici pour vrai. Parce que si c'est Polo, c'est la fin, man. On va nous repérer dès le début. Hey, je peux pas aller en haut? On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Oh, ok. Parce qu'on est dans un... tutoriel. Allez. Messia! Ils ont l'air si mignons en étant comme ça. Oh, petit bébé! Je devrais le piéger d'en haut. Ouais. Bonne nuit, frérot! Il peut même pas dire un mot. Bon, doucement. Ok. Positionnez-vous derrière un ennemi pour réaliser une élimination silencieuse. Bonne nuit, frérot! Sois sage maintenant. Tu l'as dit, Buffy. Quelqu'un approche. Yeah! Ils vont me voir ici.
Ma patience a des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi, où est-elle? Yo, il est poli, hein? Yo, Kyla. Ok, bon, si vous attaquez un ennemi avec une icône danger, vous serez repéré par les ennemis aux alentours. Vous pouvez attirer les ennemis en lançant une toile sur les surfaces ou les objets à proximité et créer une diversion. Eh bien moi, je le fais toujours sur le sol, hein? Attends. Ah, je suis obligé de chercher une diversion. Ah, c'est vrai, on est dans un tutoriel. Bonne nuit, ma dude! Et... Hiya! C'est quoi ça? Hein, quelqu'un? Hein? Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu $1 à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, Peter! MJ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Oh, c'est vrai, on doit jouer en tant que MJ, là. Je pense. Ouais. Marie-Jeanne Watson, let's go. Je peux vous aider? Bonjour, Marie-Jeanne Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolé, mais... Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez. On devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Ça, c'était drôle, oui. Oh, j'avais complètement oublié ça. Katana, 14e siècle. Un katana attribué à Masamune. Avec ça, la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Ouf, yo, ça devait faire mal, hein. Coupé en deux? Comment ça t'es encore vivant, quoi? Tu t'es tissé une toile entre ton ventre et ta jambe? Ben, tes jambes? Je sais pas. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche? Yo, let's go! Parlez à la propriétaire. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Yeah! Oh, magnifique. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Dans un, trois petits points, cadre professionnel! Eh, ma dude! En passant, je vais pas regarder toutes les expositions parce que je l'ai déjà fait auparavant. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nioh sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non. Non. Bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Ouais. C'est sûr. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à thé rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien.
Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Bye bye! Waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Oh, oh, allô? Oh. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. C'est la dernière fois que vous le voyez. C'est ce que tu crois, Ben? Voyons donc. Va dans la toilette des hommes. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Lorsque les ennemis ont des soupçons, un symbole apparaît et il commence à fouiller la zone. Le symbole signifie que vous avez été repéré. Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Tellement oui, drôle. C'est très clairement une menace. Bien sûr, Craig. Yo. Ok. C'est ça. Ah, ok, elle va juste dire des trucs comme « Salut !» Ok, d'accord. Je ne te crois pas. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle va dire, man. Juste pour le plaisir. Fais tomber une bouteille. Bien sûr, Craig. Peter m'a parlé de ça. Personne... Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? Ah, puzzle time! Alright! Donc, examinez le bureau! Je me demande s'il y a des indices ici. Ok. Il tient quelque chose. Y'a rien ici! Il tient quelque chose, un bâton! Aha! Examinez! Pivoter! La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas. Paume droite en avant. Yeah, ok. Donc, c'était comme bouche fermée, bras gauche en bas. Et, ouais, j'ai complètement tout oublié, Ben. C'est le Neo derrière eux. Sauf qu'il est différent. Ah ah ah! Plein d'indices, brothers. Donc, bras gauche. C'était quoi? Peut-être que ces trucs bougent. Yo, comment je fais ça? Ok, bras gauche, en bas, ouais, bouche fermée. Hein, quoi? Ok, ça c'est pour bouger la tête, ma bad. Bouche fermée. Et... Peut-être qu'en tournant sa tête... Bien. Presque. Presque. Mais il manque quelque chose. Ouais, il manque juste son petit joujou qui se retrouve ici, non? J'ai déjà vu ça. Hey. Je vais vous dire que même si j'ai joué à la version PS4, j'ai complètement oublié comment faire ce puzzle, hein? Ça ne va pas. Ah, tranquille. Hein, quoi? Oh, c'est pas le bon?
Quoi, il faut faire des combinaisons de trucs, man? Quoi, c'est ça qu'il faut prendre? Attends. On va regarder ça, man. Il y a quelque chose dans la main. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est ce bâton-là? À moins que c'est ceci. Hey, je vais prendre ça. We never know. Voilà. Je suis un génie! Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Oh, je sais que tu es belle. Elle a changé de parfum. Oh, c'est pas le moment, Peter. J'ai le dos. D'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Tu l'as dit, Bouffi. Bonnie. Hey, Bonnie. Ok, tu vois? Juste comme ça, Bonnie. Voya. Yo, mon frère. Viens ici. Peter, je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ce type veut à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Hein? Hein, quoi? Ma doute? Oh! Oh, il s'est fait gunshot! Pardon! Non, mais comment ça, tu m'as vu? T'étais pas supposé me voir? What the... Mais... Oh! Ok! Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce. Je te fais. Non mais. Ok, non! Les gens là? Ils me repèrent assez facilement, hein? Je sais pas si vous avez eu ça. Est-ce que c'est moi ou bien la difficulté est plus élevée? On a une brèche! Deux fois que je crève, voyons donc. Je vous ai dit, dans la fertilité, moi je suis nullos en maudito. Alright! Ok, regardez ça. Lui là, s'écrit sans danger, on y va! Mais tout à l'heure, le bonhomme était sans danger aussi, il me semble, non? C'est bon, Peter, je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. L'info pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Yeah! Ben là, il faut que je refasse tout ça, hein? My bad, man. J'avais pas du tout prévu ça, brothers. Bonne nuit, oui? Moi, j'aime ça foncer sur tout le monde et faire mon con. Ba ba ba, bi 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 ba, bi bi bi. La salle est sûre. Alright. Aïe! Je dois attaquer mes frères, man. J'aime ça un petit peu mal, pour être honnête avec vous. Danger? Comment ça, danger? Pourquoi? À cause de ces deux autres bonhommes? Je dois rester discret. Hé? Hey, pour vrai? Ok, attends. Regardez là-bas, les photos. Pourquoi? Est-ce que je peux le faire, là? Ne te relâche pas, Peter. C'était vraiment à cause de ça. Yo, va là-bas, bro.
Tiens, va là-bas, blanc. C'est un arbre. Yo, man. Yo, Martino, c'est l'heure d'un sac banane étoile, man. Youhouhou! Messia. C'était le dernier. Yepperino. Lâche-moi. Angie. Otages, les gars. On va détruire tout ce que Fisk a collectionné dans sa vie, oui. Wow. C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi. Il y a toujours un début à tout, n'est-ce pas? Whippé! Ouais, va détruire les trucs de Fisk. J'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez? Techniquement, hein? Le petit gangster, il est plus gangster maintenant! Waba! Oh my god, yo! Il va devenir paralysé, ça c'est sûr! Bah. Wow! Attendez, attendez! Non! Le casque une toile! Le cardio, c'est fait! Yeah! Hey, c'est passé à travers. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary-Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de Alors se passer. Que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Hey, ça va? Oui, mais il se sent en fait avec les dossiers. Dîner chez Mick pour me faire pardonner? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Oublie pas, tante May a dit on va faire des beaux bébés ensemble. Ok, à tout à l'heure. Yippee! Hein? Ah! D'accord? Ça va super bien. Eh bien, mes chers potos, ça va être pour cette vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. C'est totalement pas prévu ce qui s'est passé. Moi, je voulais voir le dîner, voyons donc. Mais bon, on va regarder ça next time. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Plapla, dès que vous voulez moi, je fais de ce poteau amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!